Ouais, c'est vrai, c'est très dommage le résultat. Si tu vois le match, on a quand même très bien joué. On a créé beaucoup d'occasions. Malheureusement qu'on a raté ou la dernière passe n'était pas top. Mais ouais, c'était un des meilleurs matchs de notre saison, de notre préparation. Donc c'est très dommage de quitter la coupe comme ça. Au lieu d'avoir une bonne impression et gagner le chouette match ici. Non, à ce moment-là, c'était juste Steven, t'es prêt? Donc j'avais une ou deux minutes d'être prêt, surtout. Allez, tu peux pas être prêt en deux minutes, mais ça va. Tant que t'es dans le terrain, tu sais t'échauffer encore un peu. Ouais, il n'y a pas grand-chose que j'ai fait encore, mais j'ai fait mon taf et ouais, je suis content de mon match, mais j'ai pas un bon sentiment après le match, si tu vois les résultats surtout. Ja, inderdaad, spijtig genoeg hebben we vandaag verloren. En wat is er misgegaan? Ja, we hebben die kansen niet gerealiseerd. We hebben niet gescoord en dat is de enige wat hem mankeert. Ik had zelf twee, drie kansen dat ik zeker een van die kansen moest benutten, scoren. Maar dat is zo'n dagje. Misschien is dat aan de ene kant goed voor ons. Als je bekijkt, momenteel hebben wij veel gekwetsten. Dan kan de groep even rusten. Er is zeker het gevoel dat je speelt tegen een ploegje hoger. Je ziet dat veel spelers hebben meer ervaring hebben. We hebben ook een jonge groep. Maar we hebben ook goed gespeeld vandaag. En wij verdienden eigenlijk meer vandaag dan die verloren match. Maar wat betreft Tongeren, tweede amateur, eerlijk zeggen, die verschil is ook niet groot. Ouais, peut-être. Ça va ensemble avec le corona, le temps qu'on n'a pas beaucoup joué, qui est quand même une année perdue. Le championnat commence dans trois semaines, donc on doit être prêt. Et à partir de là, on a plus d'excuses. Donc on a encore quelques semaines de travailler sur ça, aussi sur les autres points, mais ça c'est une pointe très importante quand même. Nee, niet echt. Maar zoals vorig jaar, wij wilden zo ver mogelijk geraken. En deze jaar is onze schema iets moeilijker, eerlijk gezegd. Als je ziet, tegenover vorig jaar. Deze jaar is direct tweede match, tweede ronde, tweede amateur. Normaal, als wij hadden vandaag gewonnen, zouden wij terug tegen tweede amateur spelen en dan vierde ronde tegen Knokke. Dus vorig jaar was dat eerste drie ronden iets gemakkelijker. Dus moeilijke schema, maar het is leuk om te zien ook hoe ver staan wij. Nee, niet echt. Alleen kopje naar boven. En we moeten gewoon verder kijken naar de championaat. En we moeten gewoon zien dat we binnen drie weken klaarstaan voor de championaat. En dat ook dat de gekwetsten terugkomen. En dat we sterk als groep die eerste match tegen een muur staan. Vraiment un objectif, mais avant le match, on a dit qu'on a beaucoup de qualité pour jouer dans une série de D3 amateurs. Donc, il y a tout le monde qui croit qu'on peut passer le tour ici. Après, il y avait le match contre Rochefort, je crois. Et c'était une belle match aussi, donc c'est très dommage. On voulait vraiment gagner et on a joué pour gagner.